Mais ouais, donc là, cette saison 2, démo en main, Druid en deuxième, et Paladin pour l'instant est mis de côté. Il fera peut-être son retour à la saison, à la phase 3, on verra. Mais ouais, là, je me concentre vraiment sur le démo en main, aussi bien en tant qu'en DPS, et le Druid, aussi bien en tant qu'en DPS d'ailleurs aussi. L'habitude. Pas de raison précise, j'ai l'habitude de garder. C'est un druide, effectivement. Perso, je kiffe mon rogue, mais en AOE, ça pue de ouf. Alors ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer à les gens qui comprennent pas que c'est SOD. T'as pas besoin d'être bon partout. Et puis on s'en fout de l'AOE. À quoi ça sert l'AOE? L'AOE, logiquement, sert à tuer des monstres. Bref, on va être très con, hein, mais ça sert à tuer des monstres. Quand est-ce que t'as besoin de tuer des monstres en énorme AOE? Bah jamais. Et là, tu vas me répondre, mais si, pendant les donjons rush, où on prend 20 000 mobs. Voilà. Et bah fais pas de donjons rush avec des gens qui veulent faire 20 000 mobs à la fois. Et tu verras que les donjons sont vachement plus sympas. Avec mon démo, je fais pas de l'AOE débile, j'éclate les mobs un par un en donjon, enfin... Et puis c'est très bien comme ça. C'est juste que si vous arrêtiez de jouer en mode rusher gogolito, AOE, no brain, tu vas voir que la vie est bien plus belle. Le problème, c'est que vous voulez, en fait, vous jouez à SOD parce que vous en avez marre de retail, mais vous voulez apporter retail sur SOD. Ils volent l'argent du beurre... Je préfère, mais y a pas que ça, sinon je me fais kick si aide pas à pool. Hein? Peut-être parce que tu joues... What? Je fais des donjons pick-up ultra régulièrement, avec mon démo, alors qui tape fort, mais pas, je fais pas d'AOE. Bizarrement, j'ai jamais eu de problème. Hein. À partir du moment où tu détruis les cibles, et en rogue c'est le cas, une à une, Azedo, s'il fait pas l'un en AOE, il joue rogue, il défonce tout en donjon, hein, il a pas de problème. Donc, la mentalité est très bonne pour le coup sur SOD. Quelques connards ont des mentalités de merde, et je tape avec les bonnes. Les tanks te demandent d'aider à poule. What the f... Non, j'ai un ghoul sur le cul. J'arrive. Avec les doigts ou pas? Non, mais je sais pas avec qui tu joues, Cypher, mais tu joues... Ah, mais attends, t'es sur quel serveur, Cypher? Juste pour savoir. Serveur PvP. Est-ce que tu serais pas genre sur Living Flame PvP? Juste à tout hasard. Lone Wolf, c'est PvP ou PvE? PVP, bah t'as ta réponse. C'est un truc de ouf, hein, c'est... Ça va avec la mentalité, en fait. Y'a ça. Encore une fois, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas le PVP, hein. C'est les gens... C'est une grande majorité de gens qui vont jouer dessus, quoi. C'est eux qui font cette... T'as la mana, ça va? Attends, on enchaîne. Tu sais que c'est le boss de mon niveau? Hop, on va prendre ça. T'es prêt? Je fais un gros pack. Ouais. Ah bah, faut s'amuser un peu, madame. Hein. On va souffrir un peu, là, à deux. Moi, je crois en toi, là. Natamaniac, Elphalia, Natalia. Je crois en toutes ces femmes. Bah, t'es d'accord avec moi, et pourtant, le premier truc que tu m'as dit, littéralement, hein, c'est ton premier message. Yo, je kiffe mon rogue, mais en AOE, ça pue de ouf. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Pas que tu kiffes ton rogue, ça, je suis très content que tu t'amuses bien. Du fait que ton rogue soit hypothétiquement, ça trouve peut-être, c'est toi qui m'aurais, hein, pas bon en AOE. Donc, c'est que tu t'en fous, t'en fous pas tant que ça, quoi. On a vraiment terré plein. Déjà? Ouais, en même temps, je loot tous les conneries. Bah, Dazley. Bah, Dazley. Bah, oui, mais j'ai pas le temps, puisque toi, tu pars, tu. Blablabla. Alors. Est-ce que tu veux pas trier, d'ailleurs? Bah, je viens de le faire. Ah, ouais. Ah, voilà. Je m'en occupe. Fais ta vie. Y'a pas de problème. Je vide les mobs qui nous attaquent. Daz, organise ton stuff, là. Illuminé. Désenchante. Fais Non, mais je peux pas, j'ai pas de place. Bois une flotte. T'as pas une flotte qui traîne?
Mets-moi un des parchemins. Mets-moi les parchemins sur la gueule. D'agilité. Les deux, tous. Mets-moi tout. Faut que tu me vises. Tu viens de te le mettre sur toi. Ça va bien. T'es plus agile maintenant. Ouais, voilà. Bien. Et c'est quoi le dernier esprit? Vas-y, mets-le toi sur toi, celui-là. C'est un échec complet. Très bien. Bon. Maintenant, t'as de la place. Maintenant, tu peux d'aise. Et tu vas gagner beaucoup de place. Ouais, vas-y, vas-y. C'est un bon réflexe aussi, tu regardes. Mais vas-y. Je crois que c'est meilleur pour moi. Non, mais non, regarde, c'est à gauche, 6 intels, 5 esprits. Oui. Il y a, au cas où, il y a une phrase actuellement équipée. C'est vrai qu'elle a écrit un peu plus petit. Bon. C'est trop loin. Je ne peux pas encore le lancer. Là, c'est mieux. Qu'est-ce que j'ai ? Nat. Ah bon. Non, parce que l'agilité ne sert à rien, toi. Tu gagnerais de l'intel, mais tu perds l'esprit. Oui, mais parce que t'es une banane. C'est pas parce que c'est utile. C'est deux choses différentes. L'agilité, ça augmente sur toi, globalement. Je comprends toujours pas qu'est-ce qui est mieux pour moi. Et si seulement il y avait une solution qui serait de lire son personnage. Mais je lis les trucs, mais je me rappelle pas. C'est terrible. Ah bah c'est le même que j'ai déjà. Non. Ah non, c'est pas du tout le même. Agilité, endurance. Voilà. Ça me saoule ces trucs. Tu sais très bien que j'aime pas. Non, attends, là les stats elles sont basiques. Agilité, t'es prêtresse. T'es pas une Yamakasi. Mais on s'en fout. Mais ça me saoule. Tout ce que t'as à faire, c'est regarder sur ta fiche de personnage. Oui. Mais dans Baldur's Gate, tu fais attention à ça. Ou ça te saoule aussi? Dans Baldur's Gate, c'est plus clair. Non. Dans Baldur's Gate, il n'y a rien de plus clair, pour le coup. Ah non, Baldur's Gate, c'est le bordel. Il y a un milliard de trucs à prendre en compte. Dans Baldur's Gate, tu demandes aussi si c'est pour moi. Oui, mais alors, non, mais que tu demandes, c'est pas un souci. Moi, ce que je veux, c'est que tu t'y intéresses. Est-ce que t'as à nouveau de la place? Oui. C'est bien demandé. Pas question. Si elle a envie de faire une prêtresse Yamakasi, ça c'est important. Ah, voilà. Regarde, ouvre ta fiche de personnage. Mets ta souris sur les stats. Il n'y en a pas quand même pas des masses. Juste celle à gauche, ouais, ça. De force à armure. Bon, tu vois, agilité, c'est pas pour toi. Force à arme de mêlée, c'est pas pour toi. L'endurance, c'est les points de vie. C'est facile à comprendre. 10 d'endurance égale 1 d'endurance égale 10 points de vie. L'intel. Plus de mana et plus de sort. L'esprit, tu récupères plus de ta vie et ta mana. Globalement, toi, il te faut de l'intel de l'esprit. Ça me casse les couilles. Voilà, je peux le dire ou pas? Fatigue. On pourrait pas looter juste les trucs qui sont pour nous, là? Bah, ils ont fait ça, en fait, justement, après, à retail. Ça te sert, ça te fait des compos. Et lire les stats et les bordels. I feel you, Ice Care. Diane, c'est pareil, c'est ça? Diane, elle est en mode, laissez-moi juste taper, bah les coups du reste. Pas de tir. Sur une putain d'armure de merde. Des graphiques. Mais il y a juste à compter jusqu'à 5 là, des, mais il y a pas de stats. Camembert de machin là, si tu prends ça, ça fait ça. Et puis il faut endurance de l'âme. Si ça t'amuse. Faire des tableaux Excel là-dessus. Moi ça me casse les couilles. Des tableaux Excel. Pour savoir qu'il faut de l'intel et pas de l'agir. Il y a pas besoin de tableau Excel, il y a besoin d'un... Tu peux pas venir automatiquement là. En fait, elle veut jouer à Horita, parce que les loots tombent aussi automatiquement dans ton sac. En fait, mais que ça soit inscrit genre en mode pour les prêtres, pour les machins, pour les malins. Hein. Alors, il y a ça niveau 60, pour le coup. Il y a un 7 prêtre, un 7 mage, un 7 guerrier, voilà. Il y a les 7, justement. SOT. Je crois que j'ai pas... Alors, t'es un sale mytho de ouf. Eh, le mec qui a râlé pendant toute la session de Baldur's Gate la dernière fois, là. Quelle session? Vous l'avez annulé, non? Non, celle de la dernière fois où vous avez joué. C'était il y a 6 mois, ça. Reste tranquille, Pouk Pouk. Hein.
C'est la première fois que je râle sur WoW. C'est la première fois que tu râles sur WoW? C'est la première fois que j'exprime de manière aussi intense mon mécontentement. C'est la première fois que tu râles aujourd'hui. Ça, c'est la seule vérité. Mais c'est pas vrai, comment je râle pas tous les jours? Alors, si, tu râles tous les jours IRL. Oui, mais pas sur WoW. Parce qu'on joue pas tous les jours IRL. Voilà. Ah, j'ai plus de mal à rien. Je peux pas morph. Attends, je vais peut-être mourir, je te préviens. C'est une catastrophe, j'ai oublié de... J'ai pas gardé ça. C'est dur, les gars. Les termes de dire que t'arrives pas à comprendre que l'agi c'est pas bien et qu'il faut de l'intel. Mais en fait je me souviens jamais de ce qu'il me faut. Ça s'appelle agilité, t'es une prêtresse. Est-ce que tu penses que t'as besoin de faire les backflips en prêtresse? Bah pour courir quand mon tank aggro pas, ouais. Meuf, est-ce que t'as vraiment... intelligence, esprit. Et part au quart de tour, et ça y est, c'est parti. Il y a d'autres gens qui jouent avec leur femme ou pas dans le chat hein? En vrai, ça amène au divorce, non? On blague. Mais détends-toi, là. Détends-toi le string un peu, là. C'est vrai qu'il y a Pussy qui joue avec Mélème. Elle est comment, Mélème, là-dessus, Pussy? Oh putain, j'ai putain, mais elle a aggro 26. Oh putain, j'ai pas mal à faire. Ouais, Je te le reprends. J'ai plus de mana pour passer en ours. Bah oui, mais... Non, mais tu me reprends pas du tout, hein. Mais je suis pas en ours. Il nous, t'as plein de mana, putain. C'est bon. Oh, t'as y'a... Tu sais qu'il y a un bon samaritain qui vient de nous sauver. Il voyait courir en ours. Attends. Il a fallu qu'un random qu'on connaît pas nous sauve. T'as combien de Saint-Marc? Ah, je régène ma mana. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est de l'intel. Et... Et de l'esprit. Et de l'esprit. Et faire les blagues, c'est pas avoir de l'esprit. J'étais sûr que t'allais faire un... Je te connais, hein. Comme IRL, c'est ce que je suis. Donc, intelligente... Intelligente et spirituelle. Donc il faut de l'intel, de l'esprit, ok? Alors, il y a que deux combinaisons de loot qui peuvent s'intéresser. C'est facile à comprendre, ok? Intel avec esprit, ou, à la limite, intel avec endurance. Mais ta mère la chienne là, ça me saoule. Parce qu'en fait elle se gourde tout, donc elle court toute seule tout droit. Non, c'est juste que mon ongle en fait, tu sais ce que le tab il est non le truc pour courir. Le petit 2 oui. Après tu peux le mettre ailleurs, si tu veux tu peux le mettre ailleurs. Et donc quand je vais appuyer sur le tab, ça appuie sur le... Et donc t'allais dire un truc hein. J'allais dire un truc, oui, c'est que ça arrive souvent. Oui. Non en fait, non. Non, on est plus à ça pour aujourd'hui, ça pourrait pas être pire. Non mais j'ai pas envie. Je te promets que je vais... pas me saouler, j'ai dit j'ai pas envie, tu peux respecter. J'allais être gentil. Oui, j'allais dire un truc trop mignon, tout gentil. Ah bon? Je te promets que je m'énerve pas, je veux juste écouter. Non, j'ai pas envie. Je reste sur le, j'ai pas envie. Est-ce que c'est ta curiosité de merde, hein, ou pas Tiens, Pookie, il a essayé de télé. Hein. Non. Bah si, je l'ai. Non. Ellie Pookie. Je peux pas là, je fais autre chose, je dirai après. Il te faut du mana, Nat, y'a que l'intel et l'esprit qui en donnent d'une façon différente. Merci Pookie. Du
semi-provoque celle. Imagine que le mana, c'est ton essence. Et que le l'intelligence, en fait, a grandi. Attends, ça m'a dit un peu. Ouais, t'as eu tous les crocs de goût, là. C'est bon. L'intelligence a grandi ton réservoir d'essence. Et l'esprit, ça te permet de le remplir plus vite. Voilà. Ok. Ça n'empêche que je trouve ça emmerdant de toutefois toujours vérifier. C'est nanana. En fait, ça perd tout le... Voilà. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de pas aimer ça? Ou on est obligés tous d'adorer, de lire de lire un bouquin à chaque fois qu'on loot un livre, un truc? Vraiment, lire 8 tendus, 8 intel, c'est lire un livre. Non mais y a pas que ça, y a tous les trucs là. Je ne fais pas un peu. Ce sort n'est pas encore utilisé. Je suis ravi que tu aies voulu jouer avec moi cet après-midi. Je dois m'approcher. Ce n'est pas encore. On va buter tes loups pour ton kebab de loup. T'en as aussi. J'ai pas de kebab, mais oui, j'ai. Ah, mais là, je pense qu'on l'a manqué en stream aux gens. Hein. En vrai, Nat, elle stream plus, mais à travers moi, elle stream toujours. Hein. Bah ouais. Pour le plus grand plaisir de son audience. Et de mon cardiologue. Pourquoi t'as envie que je te banne, Adar Alex? C'est parce que... Oh, la merde. Elle rageait moins sur le pont de Demon's Souls. Elle était plus salée. Si, je rageais de ouf. Elle rageait, mais différemment. Là, j'ai envie de l'assommer. Avec l'histoire du pont des bonnes souches, je changeais de pièce, voire de ville. C'est pas pareil, tu vois. Je dois m'approcher. Je ne peux pas encore le lancer. Nana, il aime bien se faire l'avocat du diable. Est-ce que t'as encore le buff magique? Non. Bah fendu. Fendu. Après si t'as un alphabet aussi, bon c'est une autre, voilà. Putain. Ouais. Ouais, tout ça hein. Ça me fatigue hein. Bon en vrai tu continues ou pas aujourd'hui? Oui oui, moi ça je m'amuse bien, ce qui m'énerve c'est de pas pouvoir aimer le jeu comme j'ai envie de jouer. Alors, est-ce que c'est le jeu le problème ou c'est autre chose? Objectivement, essaie de... Alors c'est pas le problème, c'est pas le jeu, c'est toi. Moi? Comment ça c'est moi le problème? Parce que tu dis que je suis insupportable, parce que... Et donc c'est parce que je dis que t'es insupportable que t'apprécies pas autant le jeu, que tu devrais l'apprécier? Mais si, je l'apprécie comme tu l'apprécies. Une blague? Et je t'ai filé des steaks de loup pour ta quête. Je te remercie avec... Toi, tu passeras pas les 50 avec moi. Tu passes par les 50 ans. Je suis pas sûr que tu les passes non plus, mais pas pour les mêmes raisons. Si je plonge, tu plonges. C'est ouais. Trop loin. Ah, sinon, Kiki, on achète un immeuble et un château. Voilà. On achète un immeuble avec Lucas. Ah oui, on va acheter un immeuble avec Lucas. Voilà. C'est passé 2-3 trucs pendant la semaine où j'étais pas là. C'est pour ça que j'étais pas là aussi d'ailleurs. On achète un immeuble avec Lucas et on achète une partie d'un château. Est-ce que je t'ai dit... J'en ai parlé du château mais pas de l'immeuble avec Lucas par contre. Enfin je crois pas. Je fous une poule d'autre maintenant ce con. Je pense que si. Hein. Ah non pas l'immeuble. Non. Tu vois. Si tout se passe bien, Lucas va officiellement venir vivre à Célesta, quand nous on se casse de Célesta. Ouais. Est-ce que c'est bien ou pas pour toi ça, Natalia? Je dois m'approcher. Ah mais t'as pas de loot toi, tiens. Ah t'as déjà fait, mais t'as déjà fait besoin en fait. Bah oui. Non mais,
avant de regarder, il faut... Oui, mais de toute façon, je l'ai fait parce que c'était un loot vert pour le Dez. D'accord, d'accord. C'est tout. Ouais, on est constamment... Faudra toujours aller le chercher en fin de compte. Pour les LAN, après, c'est vrai qu'il y, a pas... Alors, il y aura peut-être un TER un jour. De l'intelligence et de l'esprit. Voilà. C'est tout ce que je suis. Voilà, et toi t'as quoi actuellement? Et est-ce donc, que ça te rend plus intelligente et alors plus... Alors non, donc ce que je comprends, si vous remplacez ces objets, cet objet, les caractéristiques suivantes seront modifiées, donc j'aurai moins d'intelligence. Non, alors tu as raison, c'est mal fait. Mais là, c'est un bug, je pense, d'Adon. Ah bah, alors tu vois, c'est ça qui me met en... Parce qu'à chaque fois, je te demande et tu me dis... Alors, il y a un truc qui t'aide un petit peu. Il faut vraiment que tu lises la première phrase du loot à droite. En haut à droite, là. Tu vois quoi? Actuellement équipé. Logiquement, ça marche, hein, ce truc. Je sais pas pourquoi ça marche pas là. Je pense qu'on a les petits bugs. C'est quand même la même raison qu'on a pas des quêtes. Ou je pense qu'on a les petits bugs aujourd'hui. Donc à droite, c'est celui que t'as actuellement. D'accord. Toi, t'as deux antennes de l'esprit. Ça, c'est celui que tu vas mettre. D'accord. Ce qui peut t'aider aussi à le savoir, c'est que là, t'as marqué lié. Ce qui est lié à toi. Oui. Et là, il est lié quand tu vas l'équiper. Et du coup, moi, par réflexe, je vais d'abord regarder en bas, tu vois. Et c'est un bon réflexe pour le coup. Ça, il faut que tu le gardes sur réflexe. C'est juste aujourd'hui, ça bug. Je sais pas pourquoi les autres gens, ça bugait pas. Hein. Et donc là, ça. En fait, je sais pas. Donc ça, alors donc ça, c'est ce que j'ai de base. Tout à fait. C'est ce que j'ai tu as plus 2 d'intel et plus 2 d'esprit. Tout à fait. Et ça, c'est le loot, c'est ce qu'il a. Il fait plus 5 d'intel et plus 4 d'esprit. Qu'est-ce que tu gagnes en tout? Donc je gagne plus 3 d'intel et plus 2 d'esprit. Exactement. Il est deux fois plus puissant que ce que tu as actuellement. Ok. Donc ça vaut le coup de l'équiper. Et du PDS, le précédent. Ok.